Le sujet traité est pertinent. Le jury accepte le travail avec la mention bien. Tout est bien qui finit bien ici pour Romaric Fadjebe. En effet, il a défendu ce mardi 24 octobre 2023 à l'université de Parakou les résultats issus de ses travaux de recherche devant un jury pour l'obtention de la licence professionnelle en lettres modernes. Au thème de sa soutenance, l'impétrant livre ses impressions. Je suis d'abord très heureux d'avoir soutenu ma licence en lettres modernes. Et les jurys ont quand même apprécié le thème. J'ai planché sur le thème L'enfant soldat du roman L'aîné des orphelins de Tiennou Monimembo. Et j'ai abordé ce thème pour développer les situations fâcheuses auxquelles sont confrontés les enfants de nos jours. Et donc cela va permettre aux générations futures d'améliorer tant soit peu les choses. Venus de part et d'autre, pour lui témoigner de leur soutien et affection, les parents et amis de l'impétrant ont été sidérés par la qualité de sa présentation. Pas de stress, elle était bon, articulation des mots, tout était normal, quoi. Donc il a fait un bon travail. La présentation de l'impétrant était très bonne. Qu'ils prennent en compte les appréciations, les recommandations que les membres du jury ont fait pour passer le travail. Que ce diplôme lui soit vraiment d'une utilité, telle est la prière de ses parents à son endroit. En tant que parents, nous avons le devoir de prier à nos enfants après leur formation, que de grandes portes s'ouvrent à eux. Ce diplôme de licence professionnelle qu'il vient d'obtenir puisse nous servir au plan national et international. Il faut souligner que la filière des lettres modernes est une dérivée de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou. Cette soutenance, qui a en croire l'impétrant, ne sera pas la dernière, est le fruit de sa formation de 3 ans. Bonne suite à Romaric Fadjebe.